Poufouf YouTube, Poufouf 4X. Poufouf. Bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arma for Life. On est toujours en développement, patati patata, on changera de carte plus tard. Pour information, j'ai parlé à Plata Opomo. Et Plata Opomo, il m'a dit... Alors, je peux pas vous donner la liste, mais il m'a dit... Voilà la liste des add-ons qui contiennent le script « Faire bug un serveur ». Il m'a dit, si tu ne les mets pas, il n'y aura pas de bug serveur. Mais pour le moment, on va pas trop se donner trop de travail, hein, perso, IRL, j'ai pas mal de petits trucs à faire, etc. On va rester un petit peu sur Altis quelques semaines, quelques mois, ça nous permet d'ajouter un petit peu les scripts, etc. etc. Aujourd'hui, qui dit Plata Opomo, est-ce que tu sais qui disait Plata Opomo? Non, ça c'est... Je m'en étais pas rendu compte, je pensais qu'il disait Plata Opomo à chaque fois. Bah c'est moi, je viens de te le dire. Et moi je pensais que ça se disait Plata Opomo. C'est pas grave, t'as pas compris, Catrix. Attends, si, c'est Plata Opomo, non? Oui, mais moi je pensais que c'était Plata Opomo. Ah oui, oui, non mais excuse-moi, mais tu as... C'est ça, tu es dans la vérité. La vérité t'appartient. Je suis dans la vérité. Exactement, tu es dans la vérité, tu es dans la lumière et dans la vérité en même temps. Attends, en parlant de lumière... Assez difficile à... Oui. C'est bien, justement, ça fait plaisir. Parlons des news. J'ai failli dire nude. Parlons des news, des nouveautés de mise à jour. Comme vous pouvez le voir, la lampe torche est enfin disponible. Ainsi qu'un nouveau pack d'armes, etc., etc. Ouais, allez comme moi. Bon, t'es prêt? On va donc aller acheter des nouvelles chaussettes parce que je viens de casser celles que j'ai pour mes chevilles. Puis, nous allons... Alors, je suis en train de regarder Narcos sur Netflix hein, pour expliquer, pour rendre à César ce qui appartient à César. Je suis en train de regarder Narcos sur Netflix. Je vous conseille cette série, elle est vachement bien. Après, moi je la regarde comme une série dans ma tête. Je suis pas en mode, maman je veux devenir un narcotrafiquant. Par contre, dans le jeu vidéo où là tout est possible avec un petit peu d'imagination, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire de la cocaïne comme Pablo Escobar, vu que je regarde Narcos et vu que j'aime bien, etc., etc. En même temps, ça fait un placement de produit pour Netflix. Peut-être qu'ils vont me rembourser mon abonnement que je paye tous les mois depuis autant d'années. Et aux deux personnes qui profitent de mon compte, je vais pas dire qui, mais faudrait payer les gars. Parce que je crois que Netflix augmente de 1€. Pour ceux qui ne savent pas, Netflix, vous avez le droit à 3 comptes. Moi, je paye et grosso modo, j'ai payé un compte à madame et un compte à un de sa famille. Et genre, il n'y a que moi qui paye. Alors, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire, Ra, tu es d'une extrême générosité. Beau, je suis d'accord. Merci, Catrix, d'approuver. Du coup, tu veux qu'on t'appelle la Chica? Et genre, moi, ou Lemon? On t'appellera Lemon. Je vais pas dire pourquoi, mais t'es un gars sûr. D'accord, appelle-moi Citron. Ok. Et moi, tu m'appelleras Patron. Ça marche? Ok, ok. Allez, vas-y, on la refait. Citron! Ouais, Patron. Parfait. Est-ce que tu es prêt à partir faire de la cocaïne afin d'exploser le cartel de Cali? Le cartel de Atira. Car nous sommes du cartel de Kavala. RP Narcos. J'avoue, je regarde un petit peu trop Narcos en ce moment, mais il y a que 3 saisons, je suis déjà à la fin de la saison 2, je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire en attendant la saison 4. Regardez la saison 2 de Stranger Things, Kara est un grand consommateur de séries. Eh ben écoute, ça fait je sais pas combien de temps que la vidéo a commencé, on a toujours sur ce petit trottoir, donc à quoi bon changer de carte, sachant qu'on peut jouer uniquement sur ce trottoir à la lumière. Bref, vous l'avez compris. 2 mètres carrés. Ouais, 2 mètres carrés, exactement, on est bien. Je vais aller chercher... T'as un camion dans ton garage? Ok. Hein? Moi j'ai une Ford Focus RS actuellement en voiture, c'est assez rapide et tout ça. Parce qu'on va aller, on va aller à la préfecture chercher. Regarde ce que tu vas faire, Citron. Tu vas aller chercher ta voiture, on se retrouve à la préfecture, on va au vendeur de camion acheter un camion, je vais acheter la licence, ça marche? Ça marche. Oh, c'est toi qui arrive là? C'est ça marche, patron. S'il te plaît. Ça marche, patron. Allez, on est parti! On va chercher la voiture, Lemon. J'adore cette série. Vraiment, Pablo Esco. Enfin, Narcos, c'est génial. J'aime. Ah merde, je l'ai déjà. Permis de conduire, permis. J'ai déjà ma licence. Oui, Lemon. J'ai pas la licence poids lourd. Non, mais je l'ai. Ne t'inquiète pas pour ça. Ah, d'accord, c'est bon. Le patron a l'argent. En avant. Toi, tu es un homme de main. Allez, en avant. Ouais, le magasin général avant. C'est qui les. Moi, je. Mon petit camion. Mais il est passé où? Bonjour monsieur, un petit café vous intéresse?
Un café? Patron, un je café suis dans ma Ford Focus RS, qui est garée chocolat, devant la tête. Fraise, au sucre, ou un café pour le moment, non, désolé, je dois y aller, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je passerai plus tard. Mon café, il est juste entre les deux maisons de la vraie. D'accord, ça marche, pas de soucis. Ça a l'air, vu que c'est, ça a l'air très accueillant, je viendrai sûrement, je pense. A tout, et bah écoutez. Pas de soucis. Bon, il y a mon chauffeur qui est là. Ah. En avant, Citron. Allons au vendeur de camions. Vendeur de camions, Citron. Il est un petit peu plus bas vers le centre de secours. Pour descendre. Vas-y. Comme ça, on va là-bas, on va chercher un camion. Après, on monte au champ de cocaïne. Faudrait faire gaffe au cartel de Cali, tu vois. Genre, si c'est là. Les traîtres. Et après. Cocaïne Power. Alexis Kirissem, 9,99, 14 mois déjà, monsieur un super, t'as pas les chevilles qui enflent, patron, excuse-moi. C'est vrai. C'est vrai, après, étant donné que je stream en chaussettes, c'est pas gênant si les chevilles enflent un petit peu. Et donc, du coup, t'as jamais regardé Narcos? Si, j'ai commencé il y a pas longtemps. T'imagines si je m'étais mis à regarder Game of Thrones et que je voulais faire un gameplay Game of Thrones? Ça serait galère sur... Free kill power, à mon avis. Ouais, free kill power à mon avis. Et on commencerait l'épisode à 5 personnes, on finirait, je serais tout seul. Enfin, tu vas me dire, dans Narcos, c'est aussi sympa, mais... Ouais, ça s'élimine aussi pas mal. Ouais, ouais, il y a de jolies choses. Enfin, moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour info, histoire de parler vite fait actualité, le fils de Pablo Escobar, que je connais bien d'ailleurs, me disait la dernière fois quand je l'avais au téléphone, etc., on parlait un peu business, parce qu'on fait un petit peu de business et tout. Et il m'expliquait qu'il allait faire un livre et que ce qui se passait dans la série Narcos n'était pas vraiment ce qui s'était passé, notamment la saison 2. Après, je pense que vous l'avez tous deviné. Bon, la télé, internet, voilà, hein, c'est un petit peu romancé, hein, comme ce que je viens de vous dire, bien évidemment. Je connais pas le gamin du patron. Bref, on va chercher un camion. Ah, y'a qu'un Renault Medium. Oh putain, 850 000. Ah ah. J'ai pas assez d'argent, t'as combien de thunes sur toi? J'ai 12 000 sur moi. Eh ben nous sommes... Ah, ou sinon je le loue? Non, tu... T'as combien d'argent sur toi en compte bancaire? En compte bancaire, j'ai 50 000. Très bien, je vais te dire combien tu vas ramener. 850... Alors, tu vas aller chercher de l'argent que j'ai enterré sous un arbre. Il faut que tu ramènes 300 000. Ou 400 000. Ramène 400 000. Ça va être compliqué. Tu refuserais à ton patron. Tu veux que je te presse? Je Lemon refuse pas. Est-ce je que... ne refuse pas. D'accord. Je refuse pas, patron. Allez. Je dis que ça va être... Tu devrais déjà être revenu là à discuter. Tu devrais. Ok. Bon, bah, je vais aller chercher de l'argent. A tout de suite. Ça. Aizou. Il m'a abandonné. Bon, bah nous attendons. Alors du coup, que je vous montre après le trajet. Après, on va au champ de cocaïne, au traitement de cocaïne et au dealer de drogue. Donc les icônes sont là, je sais pas si ça fonctionne, hein. Accessoirement, pour vous dire une terrible vérité, ça me permet de voir si le PNJ est bon, si le traitement fonctionne, etc. Rappelons-le, voilà. Faut bien de temps en temps regarder si ça fonctionne ou pas. Normalement ça fonctionne. Mais bah, on sait jamais. Il peut se passer plein de trucs. On sait jamais. Donc on va voir. Il est déjà revenu. C'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Tu... Oui. On a oublié un truc. Vous m'avez pas dit où était l'argent. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas dit où j'avais caché l'argent. J'ai caché l'argent près de l'hôpital de Kavala. Ça marche. Là-bas, t'as une plaque d'égout. À côté d'un arbre, tu lèves la plaque d'égout, l'argent est là. D'accord. À tout de suite. Ce serait excellent un script où il y aurait des caches d'argent. Vous voyez un petit peu l'idée? Genre, on irait là. Et genre, il y aurait une sorte de poubelle. Et puis, on pourrait faire roulette de souris dessus. Et pas vendeur camion. Mais genre, on pourrait mettre. Je sais pas, un délire où genre on pourrait planquer de l'argent à l'intérieur ou récupérer de l'argent, une sorte de ressource comme ça. Pff, je viens d'avoir une idée, écoutez bien ce que... Écoutez bien la ressource que je viens de vous inventer en direct. Sans parachute. Écoutez bien, vous allez kiffer. On map des genres de trucs comme ça. Ou des petites malles qu'on enterre un petit peu mais pas trop. Vous allez comprendre. Et genre quand tu t'approcherais, tu pourrais faire un touche Windows par exemple à côté. Et genre ça ferait fouille le sol... Et tu pourrais ramasser des sacs de billets
Et après, il faudrait que genre t'ailles les blanchir parce que genre c'est de l'argent, des narcos que t'as trouvé enterré, etc. Alors, qu'est-ce qu'on... Est-ce que ça a pas l'air d'être la meilleure ressource de tout le serveur ? Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et genre, pour pousser le délire, on dit pas trop, tu vois. Une sorte de ressource un peu masquée où genre les narcos seraient enterrés de l'argent. Mais pour utiliser cet argent, faudrait que t'ailles la chercher, que tu la ramasses. Ce serait illégal, bien évidemment. Et après, que t'ailles la blanchir dans... allez, je sais pas, on va trouver quelque chose d'original. Dans une laverie à la Heisenberg. Je suis un grand fan de série, je vous l'ai dit. Et genre, tirer dans une laverie, blanchir ton argent, et après, tu pourrais la récupérer sur ton compte, tout comme une ressource, en fait. Grosso modo, ce serait genre, tu viens là, au lieu de ramasser des pommes, tu ramasses des sacs d'argent, et au lieu d'aller au traitement de minerai, tirer au, à la blanchisserie. Et après, t'irais revendre cet argent. Genre, t'irais la rendre, je sais pas moi, cartel de Cali, par exemple, ou un délire comme ça. Il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Et genre, on pourrait, genre, au niveau de la ressource, on pourrait dire qu'à certaines personnes, ou genre, moi, dans un épisode, je pourrais faire un genre de... Il paraît que au pied des moulins en face, il y aurait de l'argent, et du coup, il faudrait regarder mes vidéos pour connaître les petits tips. Et je vais vous dire un truc assez sympa, c'est vu que c'est mon serveur, il y a moyen de teaser des petites infos comme ça. C'est vrai que j'avais jamais pensé. Mais genre, il y a moyen d'ajouter une ressource que je ne divulguerai qu'en vidéo une fois, en mode « À ce qui paraît, près des moulins là-bas, il y aurait des narcos qui feraient du business, c'est tout. » Après, ce serait les joueurs entre eux qui « Eh, au fait, t'as vu, nanani, nanana, nanani, nanana. » Il y a moyen de faire un truc, il y a moyen de faire un truc marrant. Narcos. Et moi, j'adore Narcos. Hein. J'adore ça, Narcos. Vraiment, c'est... Autant le personnage de Pablo Escobar Enfin, voilà, quoi. Enfin, les attentats, etc., etc. Voilà, on va pas dire que c'était un gentil garçon. Mais dans Narcos, c'est pas la réalité. C'est un peu romancé, etc. Il y a un côté cool. Il a pas trouvé l'arme. Vas-y, Lemon, je t'écoute. Je trouve pas la plaque d'égout. Elle est près d'un distributeur automatique. Au niveau de l'hôpital. Ouais, mais y a pas assez d'argent dans la plaque d'égout, y a quelques billets. T'as ta carte bleue, retire au distributeur sinon. J'ai 50 000 dans mon distributeur. T'avais dit 500 000 ? J'avais dit 50. Lemon, t'essaierais pas de m'enfler là ? Lemon ? T'essaierais pas de m'enfler là ? Ah non, je peux vous envoyer une copie de mon... Va chez Maritza, va récupérer de la thune chez Maritza et après tu reviens avec l'argent. Reviens me rechercher, on va aller chercher de l'argent, Lemon. Viens. On va aller faire un tour chez Maritza et puis après on ira chercher le camion. Les employés les plus intelligents sont déjà morts, pour information. Bon, on attend qu'il revienne parce qu'il a pas su combien il avait d'argent en banque. Bon, j'irai rechercher de la thune ou sinon on peut le louer, mais ça fait chier de louer un camion à 680 000. Alors vous allez me dire, ah, t'as vu tout l'argent que t'as, nanani. L'argent n'est pas un problème, mais je ne joue pas pour avoir de l'argent. Là, on est là pour tester une ressource et s'amuser. Donc on va quand même aller retirer de la thune. En soi, c'est vrai que je pourrais louer, on s'en bat les couilles. Mais quand même quoi, enfin, quand on regarde le ratio, on se dit vaut mieux l'acheter, c'est plus intéressant, en plus on pourra faire Mumus plus souvent avec. Il est dispo quand une couleur, c'est pas une idée rajouter d'autres couleurs aussi. Parfait Lemon, en avant. Attends, oh, il m'a roulé dessus. Pardon chef, pardon patron. Non. Ouais, fais attention à toi Lemon, hein. Si c'est... Viens ici. On va pouvoir aller à l'hôpital maintenant. T'as compris? Arrête d'écraser, c'est pas possible. À côté, patron, t'es à l'hôpital. En avant. Putain, j'ai l'impression que c'est la pire idée du monde que j'ai eu de dire. L'anti-car kill, on le met à 50%. Je passe mon temps à me faire écraser. Prochaine fois, c'est moi qui t'écrase. Prochaine fois, tu t'écraseras tout seul avec la voiture, prochaine fois. Pour te punir. Pour que tu apprennes. Je vais essayer. Voilà. Voilà. Non, j'ai pas vu les incendies au Portugal. Mais c'est pas moi. Je suis pas rien. Mais non, j'ai pas vu. Mais après, on est... Peut-être qu'il fait très chaud au Portugal, je sais pas. Peut-être qu'il fait très chaud. Mais non, j'ai pas vu. Je sais que je crois que c'était aux États-Unis. Ouais, je suis calibré bébé requin. Je suis toujours calibré bébé requin. 25 cm.
pourrais confirmer, Lemon, s'il te plaît, ce que je viens de dire? Ouais, ouais, c'est... Oui, je l'ai calibré, pas très. Ah, je... Non, mais tu veux pas me déposer plus près, sinon? Je te rappelle ouais, ouais. que tu m'as roulé dessus. Va chercher le médecin. Elle rentre ou pas? Ah, terrible. Elle rentre? Je pense. Oh oui! Vas-y, marche arrière! Marche arrière! Mets-moi devant le médecin, s'il te plaît. Parce que... Voilà. On va faire mieux. On va faire comme ça. T'as jamais passé ton permis de conduire, en fait? Allez, je vais voir le médecin. Je vais pas marcher, quand même, hein. Enfin, hein, on est censé être des narcotrafiquants. Normalement, c'est le médecin qui se déplace. Par contre, si ça explose, si ça explose, je tue toute ta famille sur 25 ans. Je pense qu'il y aura plus grand chose à. Top. Par contre, ne rebouge pas. Si tu rebouges, tu me récrases. Je préfère te le dire. Bonjour, monsieur pompier. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ça va. Bah nous aussi. Bonne journée. Ouais, je vois ça. Merci. Vous aussi. Merci. Allez, c'est bon. Marche arrière. On y va. On va pas marcher. Merci. On va pas. T'allais pas me faire marcher quand même. Hein? Rassure-moi. Non, jamais patron. Jamais. Jamais de l'œil. Ouais. Ouais. Ne bouge pas la voiture. Hein? T'en as déjà assez fait. On va retirer 500 000 histoire d'être. Ouais, 1,5 million. Bon, allez, 1 150 000. C'est parti. En avant. On n'a jamais assez d'argent. Retenez bien ça. S'il y a quelque chose à dire, déjà la cocaïne, c'est de l'argent. Et on n'a jamais assez d'argent. Jamais. Toujours plus. Toujours plus. Voilà. Du coup, argent. L'argent appelle l'argent d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on dit. Ah, fais gaffe, c'est les pompiers, ils risquent d'explosion. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Je me suis trompé de route. C'est toi qui klaxonne? Oui, c'est moi qui ai klaxonné, je voulais pas envie qu'ils se mettent en travers de la route. Parce que les VSAV ils explosent, j'en ai déjà vu quelques-uns. Non, surtout tel que je les connais, les pompiers ils seraient capables d'avancer alors que j'étais en train de rouler. C'est des étoiles filantes. Reboot 4, 19-30. Ouh, 19-30, on a 50 minutes. Bonjour, je sais pas où le camion va spawn, t'as qu'à garer la voiture derrière, va garer la voiture derrière, Lemon. Et presse-toi un peu, s'il te plaît. C'est marrant parce que Lemon en français ça veut dire citron, et citron pressé. Sinon, je suis quelqu'un de très gentil dans la vraie vie. C'est bon, t'en as assez fait. Allez, viens. Viens, Dave. Je laisse la voiture ici? Oui. Coupe les feux par contre. Pour l'économie quand même, on est, hein, on est peut-être pas des musiciens, donc on n'est pas obligé de consommer de la batterie. Allez! N'avant, mauvaise graine! Allez. C'est parti! Attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je suis où là? Oh mec, il y a trois places ouais. à l'avant! T'as vu? Ah! Oh, c'est bien ça! Par contre, je peux pas monter moi dans la place qui reste. C'est normal, c'est la place du patron. Ah. Tu me guides jusqu'à la cocaïne? T'es calibré au moins ou pas du tout? Non, j'ai pas eu tout d'armes. Bah, pour l'aller, on s'en fout. Peut-être si on croise les flics sur le retour, faudra faire gaffe. Ouais, bah, champ de cocaïne. Au pire, ils ont pas de raison de contrôler si on. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison, c'est un contrôle partiel, c'est bon. Tu me guides? Ouais, je te guide. Et c'est parti! C'est pour ça que j'ai voulu tout rapprocher, comme ça c'est moins loin quand on veut faire des ressources et tout, on n'a pas besoin de passer 30 ans. À droite. Là ? Ouais. Ok. Allez hop, Eurotruck. Attends, je vais juste mettre les feux de croisement. Prochaine à droite ? Ouais. Hop là, on est parti. Je crois que c'est la première fois que je conduis des camions Charlie. C'est très sympa. Là ! Ah non, après ! Ah ouais ! Ensuite. Ok, go. Essayer de mettre la purée un petit peu histoire de pouvoir ramener de l'argent pour le cartel. Là à gauche. Voilà, ouais. Je vais me faire des bruits bizarres avec ma bouche. Tout droit pendant très longtemps. Ok, parfait. On a des repair kits, on a tout? J'en ai deux sur moi. Ok, parfait. On est parti. Putain, ça fait bizarre de rouler sur Altis, mec.
Ça fait super bizarre. Par rapport à Metropolis, ça n'a rien à voir. Là, normalement, on devrait être sur l'autoroute, tu vois, sur Metropolis. Rien à voir. Ouais, et du coup, dans Narcos, t'as quelle saison? Saison 1. Là, j'ai vu le moment où. Sans trop spoil, hein, mais. Ouais. Non, j'ai pas spoil. Je veux dire, juste c'est le moment. Le moment, c'est où il est un peu après qu'il est déménagé pour la première fois. C'est qu'il quitte la grande maison. Ok. Donc avant la Politica. Ouais. Enfin, non, si. Je suis un peu après la Politica. Après la Politica? Ouais. Ok, ça marche. Tu vas voir, c'est ouf. Et justement, pour parler vite fait de Narcos, parce que bon, c'est un peu le thème de l'épisode, hein, on va pas trop se mytho, c'est pour ça que j'ai envie de faire de la coca. Le truc que je trouve génial sur cette série, et il y a d'autres séries, mais enfin, par exemple, Walking Dead, des fois, j'adore Walking Dead, j'adore les zombies, etc. Je suis un grand fan de la série, mais je trouve que des fois, c'est long, genre il faut 2-3 épisodes pour amener vraiment ce qui se passe, etc. Alors que dans Narcos, les épisodes font 50 minutes, donc on est sur des épisodes à peu près. Là, c'est à droite ? Ouais, à droite. Donc on est sur des épisodes un petit peu, on va dire, un peu longs, on va dire, 50 minutes. Et c'est super quali. On apprend plein de choses. En un épisode, on apprend la blinde de choses. Alors que sur certaines séries, comme Walking Dead, enfin, c'est mon avis, hein, comme Walking Dead, je trouve que des fois, il faut 2-3 épisodes pour que ça avance un petit peu. Alors que là, dans Narcos, la saison 1. Si on était tombé sur un réalisateur un peu feignant ou qui veut un petit peu étaler la confiture, la saison 1, honnêtement, il y avait moyen de faire 2 saisons juste avec ça, quoi. De faire une saison complète sur la politique, faire une saison complète sur ses débuts et faire une saison complète sur après la Politica. Alors que là, tout ce que je viens de vous dire, c'est uniquement dans la saison 1 et tu te dis, putain, c'est cool, quoi. Tu regardes un épisode, t'es en mode, ah, yes. Mais t'as raison, dans un autre cas, pourquoi ils font genre 2 épisodes pour amener exactement un épisode majeur. Exactement. Ouais. Après, il y a un côté cool aussi. Ça permet de mieux expliquer. Forcément, dans Narcos, vu que ça va assez vite, ils passent sûrement sur des détails. Mais en même temps, il y a tellement de trucs. Tu te prends tellement de trucs dans la gueule que... Tu lui prends sur le pont après. Okay. Nous venons de croiser un camion de police. Non, bon. Enfin, après, tu vas me dire une course-poursuite avec le camion de police. C'est possible qu'on aille plus vite que lui. Là, je vais où en face ? Le pont, ouais, tu prends le pont. Donc là, à gauche ? Ouais. Vas-y. Hop. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué ou pas, il n'y a que des véhicules de Charlie pour le moment sur le serveur. C'est uniquement du Charlie. Et d'ailleurs, il y aura une majadon sûrement ce soir des nouveaux véhicules de Charlie. M'a envoyé son pack add-on aujourd'hui. Bon, YouTube, vous vous en foutez, mais pour Twitch, pour ça, check. Oh, et pour info, dès que je mets à jour la donne, j'ajoute une version. Donc là, la donne est en 5.4. Quand je le mettrai à jour, on sera en 5.5, excusez-moi. Ouais. Vous verrez ça tout simplement sur votre launcher quand vous lancerez la donne. Votre Arma 3 launcher vous dira, vous êtes en 5.4, vous êtes en 5.5. Et pensez à check le fofo. Dès qu'il y a une majadon, j'explique le délire, etc. Quoi. Hop là, allez, on est parti, j'en mets en feu de route. On apprécie les feux de route de Charlie d'ailleurs. Excellente idée auquel je n'aurais jamais pensé. Très 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 bonne idée. Suivant les endroits, ça fait extrêmement mal aux yeux, mais sur la forme, c'est génialissime. C'est du beau boulot, du beau taf comme on dit. Du beau taf. Yo Dylan, bienvenue à Twitch, bienvenue à tous ceux qui débarquent. Et GG à Alexis, là c'est sub. C'est plaisir. Rejoignez le cartel de Kavala. Hop là. C'est pour vous réexpliquer un petit peu l'idée. On est sur Altis pendant quelques semaines. Voilà. Et j'ai dans l'idée d'ajouter tout ce que je veux ajouter sur Altis. Et après, on changera de carte une fois qu'on aura fait vraiment le plus gros. Donc les métiers, les gangs, les différents trucs, etc. etc. Et le fait de regarder Narcos, ça m'a donné 2-3 idées au niveau des gangs, des cartels, etc. Je veux pas un truc rebelle. Hein. Je veux vraiment un truc qui soit en mode. À gauche. Oh, mais tu dis rien aussi, 4X. T'aurais pu mettre un point. Bah j'ai mis un point mais je pensais que t'étais un homme de confiance. On passe là ou pas? Non je pense pas, y a un gros muret devant. Ah, je pensais que t'étais quelqu'un de confiance que je pouvais suivre tu vois. Ah, moi je pensais que t'avais vu la route et que tu suivais la route selon... Attends il est bloqué mec. Attends, t'es sûr que ça passe pas là? Je vais t'éclairer. Ouais faut que t'éclaires, je vois que dalle, on s'est bloqué. Attends recule à fond. Ok. Éclaire derrière s'il te plaît, parfait, derrière, bouge pas. Oh là là mec, c'est n'importe quoi ta lampe torche. C'est tellement réaliste. C'est un gros,
Attends. C'est un gros feu quoi. La marche arrière elle est bloquée. Il veut park. Attends. Ah nice. Ah c'est bon, il y a un petit souci. Mec, vas-y, remonte ouais, dans le. T'es sur des collines, ouais. Ouais, ouais, le camion est un poil long pour faire de l'off-road à mon avis. Faudrait vraiment qu'on tourne sur la route. C'est bon, t'es là? Ouais, je suis dedans. Attends. Putain, il fait la gueule, Pablo Escobar là. Pablo Escobar est mort dans son camion avec son homme de main. En off-road. Oh là. Ouais, faut vraiment que je reste sur la route parce que le camion est génial, mais il est un poil longo. Donc là, c'est à droite. Ouais. Vas-y. En avant. On va remettre les feux de route. Let's go. Nous allons y arriver ou pas. Reboot dans 40 minutes. Là, on y est dans 4 km de. Ouais. A mon avis, on remplira pas, je pense. Hein. Tu vois l'idée? Je pense pas qu'on ait. Ah, quoique, ça sauvegarde ce qui est dans les véhicules. Mais il faut qu'il soit au garage, je crois. Ouais, je pense qu'on va peut-être pas essayer de le remplir. Au pire, c'est pas grave, hein. On retestera plus tard. Mais l'idée, c'était d'être en mode. Vas-y. Jouons. Alors. Hop. Les cartels des Cali. Yo Loïc! Ricef de 4 mois, c'est bon! Hello, petit Ricef de famille, continue! Merci Loïc. Je t'invite à continuer également. Merci Loïc, ça fait zizir. Bienvenue à toi. 4 mois, c'est beau. C'est beau, c'est beau. D'ailleurs, n'oubliez pas, pour ceux qui vont à la PGW, j'y vais les 5 jours. Donc, si jamais vous voulez me croiser, normalement, il y a moyen. Pour le moment, j'ai 2-3 rendez-vous en mode éditeur. Comme tu sais, hashtag youtubeur, il fait pas la gueule, youtubeur. Mais j'aurai le temps de vous inquiéter. Ouais, mec, regarde au loin! Regarde! Ah oui! Oh, j'adore Arma 3! Vous comprenez pourquoi j'adore jouer à ce jeu? C'est parce qu'il ne se passe jamais la même chose. Et tu peux rien prévoir. Enfin, tu peux sur place et appeler les pompiers. Ah ouais, je. De toute façon, c'est près de la. Du coup. Oh là là, mec, terrible! Un incendie en pleine forêt! T'as qu'à appeler les pompiers pour dire. Il y a trop d'explosions là. Ouais. En deux. Deux ou trois, j'ai entendu. Ouais. C'est pour ça que j'adore Arma. Il se passe toujours des trucs que tu peux pas prévoir. Là, je vais où? Tu vas tout droit. Tout droit? Droit, tout droit, ouais. Ah, ils sont dans la zone de chasse, j'ai l'impression, où ils se sont défoncés, non? Non, non, ils sont plus vers le concessionnaire Land Rover, je dirais. Ok. C'est ça que j'adore, si tu. Genre là, on voulait faire de la cocaïne, à tous les coups, on ne fera pas de cocaïne. Je n'en ai aucune idée. Il peut se passer, peut-être qu'on va aider les pauvres mecs là-bas, on sait pas. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y aura un incendie, une météorite. Donc là, il y a zone de chasse. Oh, regarde devant! Ah, c'était ici l'explosion. On s'arrête pour des bons citoyens? Ah ouais, on s'arrête pour le loot surtout. Oh là là. Tu sais, ça fait. Il y a combien d'argent? 30 000. Ah, c'est toi qui as la thune? Ouais. Oh là là, on est vraiment les pires quoi. Et c'est pas tout, je pense. Il y a encore mort. Ils sont où les. Ils sont où, ils sont où? Il y a des explosions, il y a un de véhicules. On est juste horrible. Ouais, on pourrait les aider, mais. Pourquoi? Porqué. De toute façon, il est mort, on peut plus l'aider, il est mort. Voilà, j'ai envie de vous dire. Il a explosé. Ouais. Alors. On explose, attends. Est-ce qu'on a un cadavre aux environs? Du coup, ça va peut-être ramener la police, alors, vu qu'il y a des accidents, il faudra faire gaffe. Est-ce que j'ai mon port d'armes? Ouais, j'ai mon port d'armes pour mon calibre, j'ai le droit d'avoir ça. Oh, par contre, attends, mec, je vais jeter les chargeurs d'AK, j'ai des chargeurs d'AK sur moi. Ça passera pas, ça, je pense. En parlant de chargeur d'AK, moi dans mon sac j'ai aussi du stuff que je vais jeter. Vas-y, jette coup, tout ici, on accusera le. On accusera le gars dans son accident, on ferait ça. Comme ça, c'est lui qui portera le chapeau. Ouais, donc le mec, en plus d'être mort, il sera accusé d'avoir des chargeurs illégaux sur lui. Allez, plata au plomo. Et en plus, je pense qu'il faisait de la drogue, hein, donc limite, il doit appeler la police et dire qu'il y a eu un accident ici. Et... Non, mais mec, on est à 2 km d'ici, un gros camion blanc comme ça, c'est fini, tu vois. Oh, regardez, oui! Oh oui! Oh oui! Argent! 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 Allez, je te laisse. 900 dollars. 378 000. Non! Oh putain, c'est terrible! On devait faire de la coke pour gagner de l'argent, hein.
on n'a jamais assez d'argent. Hein. J'ai beaucoup d'argent, comme vous pouvez le voir. On n'a jamais assez d'argent. Moi, je suis le type de joueur. Pour 500 $, je te fais un truc. Hein. C'est vraiment. Je... J'ai 420 000 sur moi. Oh putain, c'est terrible. Merci, les gars. Allez, on est parti. Le narcos. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, c'est extrêmement rentable la cocaïne. Faites-en. Parce que c'est très, très, très rentable. Hop là, donc ça c'est fait. Je sais pas, mais il y avait un sacré écart à mon avis, ça a dû taper assez fort, je pense. Ouais. Oh, c'est quoi ça? Oh, une chèvre, attends, je vais la tuer. Allez, on est parti dans l'illégal. Laisse-moi la tuer. Ah, j'ai pas d'arme de toute façon. Ok. Petite chèvre, donc zone de chasse, hein, pour info, qui fonctionne correctement. Non, tu peux la ramasser sans la tuer, je pense. Ouais, mais. Tu lui est... digotes les pieds et tu l'embarques. Vas-y, attends, je la ramène. Attends. Hop là, on est parti, éviscération de chèvre. Si on croise des flics... Tu sais que c'est illégal, ça. Ouais. Ouais, mais bon, faut bien ramener à manger aussi, hein. C'est pas. C'est vrai. On sait pas. On sait pas ce qui peut se passer. On sait pas. Ouais, le serveur est redémarré, exactement. Donc pour le moment, on est sur Altis. On ajoute tous les scripts qu'on avait. Pour info, la whitelist police pompier in-game a été ajoutée ce lundi. Les métiers vont bientôt arriver, dépanneurs, etc. avec un nouveau système de pôle emploi. Des nouvelles ressources qui vont arriver. Il y a bientôt Halloween. Alors moi perso, je suis à la PGW, mais on discutera de ça offline. Hein, mais il y aura peut-être une ressource exprès pour Halloween, peut-être un petit mapping, etc. Enfin bref, vous verrez ça. Mais Halloween, c'est possible qu'il n'y ait pas grand-chose. Moi, je vous le dis personnellement, j'aurais pas le temps de faire des trucs pour Halloween. Je préfère taffer sur les métiers sur le long terme. Mais il y aura peut-être des trucs pour Halloween. Chose de sûre, pour Noël, il y aura des trucs comme d'hab avec les petits cadeaux à aller rechercher, etc. Cette année, un truc qui serait cool, c'est de mettre une commande sur les petits cadeaux et genre que tu puisses mettre la ligne donner 500 $ ou une connerie comme ça, tu vois. Ouais, ou un item ou une ressource. Ressource, papier cadeau ou... Ouais, une connerie. Alors, il reste combien de temps? Ok. Là, c'est à 1 km2. On est parti. Camion qui est plutôt sympathique. Oui, c'est vrai, oui, dans tout. Il a coûté combien le camion? 850 000. Ah ouais, non, à la moitié. On a la moitié? Ouais, j'ai 420 000 sur moi. C'est nice. C'est propre, ouais. Après, normalement, ce type de camion, tu le rembourses pas en un trajet. Hein. Ouais. Allez, on est parti. La cocaïne. C'était le cartel de Cali sur qui on est tombé, les gars. Voilà. Alors moi, ce qui me fait vraiment kiffer, vraiment, ce serait vraiment d'ouvrir un gang. Et essayer vraiment de faire de la drogue, de l'illégal, tout ça. Yo-yo! Fais attention. Merci Eros, ça fait plaisir. Bienvenue le sub des familles. Attends, je dois aller où là, 4X? Là, tu dois aller à... Nice, parfait, ouais. Prochaine à gauche. Pardon, à droite, pardon. Parfait, parfait. À droite. Oh, c'est quoi le bâtiment en face? Oh, il y a un hosto ici. Non? Alors ça, je pense que c'est l'hosto. What? Ouais, si, il y a un hosto. Ou alors, il y a eu un... Si, un mapping un peu fatigué, j'ai l'impression, mais... C'est Viper! Ouf! Pouf Viper. Si c'est un hosto. Là je tourne là à droite. Ah, si. Ouais. Ouais, c'est un parti. Hosto. Ouais. Les camions Charlie sont géniaux. C'est un plaisir à conduire. Tu sais que c'est ici que se passe une des missions du DLC Love of War. Je sais, j'ai fini justement le DLC Love of War qui est dispo sur YouTube Gaming d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne gaming. C'est dispo dessus. Voilà, sachez-le. Sachez-le, c'est disponible. Alors, par contre, ici en bas. Par contre, ça va être drôle. Je vais te laisser ça descendre pour que tu me guides, ouais, parce que le camion On va essayer de passer là. Ok, ouais, un petit muret, il va falloir passer entre le muret. Ou ici, là où je suis. Vas-y, je te suis. Putain, si on se retrouve bloqué ici, c'est la fin du monde, je vous le dis. Un warning, parce que Pablo Escobar met ses warnings quand il fait de la cocaïne. Avec des labos et tout, ce serait stylé. J'ai plein d'idées. J'aime bien regarder des séries, des trucs comme ça, parce que je me dis, tiens, ça c'est stylé, ça c'est stylé, ça c'est stylé. On va ramasser ici, c'est bon. Ok, parfait. J'ouvre le camion, on est parti. Alors, voyons voir cette belle cocaïne. Ah, deux feuilles de coca. Oh, il y a une autre bagnole. Ouais, je suis vide. Hop là. Petite feuille de coca. Alors, feuille de coca, c'est pas pour faire du Coca-Cola, attention. T'as les clés, en fait, ou pas? Ah, j'ai les clés, c'est bon, je peux... Ok. Alors, normalement, c'était... Feuille de coca... J'aime bien la petite icône qu'ils ont mis.
On dirait des feuilles d'olivier par contre. Tu sais quoi, je vais mettre la chèvre à l'intérieur et si jamais on se fait choper, aucun de nous deux dira qui est la chèvre. Ça marche? Ouais, ouais, ça marche. Pour. Tu sais, c'est pas mal en fait. Vas-y, go. Récoltons la cocaïne. La cocaïne. Écrase-le. Non, mais on va être gentil quand même avec 4X. On va pas. C'est un homme de main. On tue pas ces hommes de main. Allons. Hop, tu as plus de place dans ton inventaire. Bon, le seul truc qui est bizarre sur les véhicules de Charlie, c'est genre il faut. Déjà, il y a un anti-glitch menuté, c'est cool. C'est la roue avant qui a l'action en fait. Si on veut faire un touch Windows, faut faire ça au niveau de la roue, etc. C'est le seul truc qui est un peu bizarre au début. Hop. On a 210, c'est qu'on est quasi à la moitié maintenant. Ouais. C'est pas mal. On avance vite et bien. Ouais, c'est ce qu'on voulait. Parfait, parfait. On avance vite et bien. Bonjour. 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 On fera attention sur la route direction de traitement. Il y a un contrôle de police. Hein. Passer par les petites routes. Où ça? Exactement, je saurais pas te dire. J'ai un collègue à moi qui est en surveillance et qui m'a dit qu'il y avait un contrôle sur la roule au niveau du DP12. DP12, DP12, DP12. Ah, l'ACA. C'est ça. Ok, et ils sont sur la route? Sur la route, ils font un contrôle, ils contrôlent toutes les voitures au niveau de la station essence avant l'ACA. Ok, bah merci d'avoir prévenu parce qu'à mon avis, on serait passé là-bas. Et ils sont armés et tout ou il y a moyen de forcer? Comment? On m'a dit quoi? On peut forcer le barrage ou pour vous c'est chaud en camion? Avec votre camion, vous allez les exploser, mais je pense que vous allez pas les dire en moins. Ok, bon bah 4X, on passera par les petits chemins alors. Ouais, mais s'ils saisissent tout le camion, ça fera chier quand même. Hein. Parce que 450. Oh, bah, c'est là par ici, hein. C'est par. Ouais, mais non, il y a le dealer qui est là-bas. Ah ouais. Camion plein. Nickel. On se remplit. Ouais. Ah putain, ouais, faudra faire gaffe. Je suis rempli. Toujours emmerdé les flics. Là, ils peuvent pas ne pas se connecter, non? Allons. je vais bouffer vite fait histoire de pouvoir transporter un peu plus de coca. Petit café. Hop. J'ai une autre idée. Ajouter une boulangerie où on pourra acheter des croissants et des chocolatines. Ça pourrait être sympa. Juste pour le délire de pas mettre pain au chocolat, de mettre chocolatine avec une petite icône .pa que tu pourrais bouffer comme ça. Histoire de, ouais, de personnaliser à fond le délire. Vous voyez l'idée? C'est ouais, du coup, après, ensuite, on pourrait traiter les drogues en. Ou faire de la farine, tu sais. Ouais, ou de la farine. Que ouais, genre, t'es un PNJ qui vend des viennoiseries et qu'à côté, t'es un PNJ qui traite de la farine et du coup, t'irais traiter là-bas et on pourrait se tenter des délires là-dessus. Comme boulanger, quoi, un truc où ouais, trajet en voiture. Ou puis, ouais. Bon, on n'en est pas là, hein, des idées, je peux pas vous montrer, mais on a un doc qui est rempli d'idées. Que j'ai et que d'autres ont, hein, où on met les trucs en mode tiens, ça peut être pas mal, et ça peut être pas mal, et ça peut être pas mal, et ça peut être pas mal, etc. Allez, go! C'est parti, mon kiki! Du coup, où tu sais qu'on va maintenant? La route pour le retour, c'est la même jusqu'à. Merde! Tu veux que je te laisse conduire? Vas-y. Allez, Lemon, on est parti. Et pendant que Lemon conduit, c'est une fin d'épisode, je sais, c'est triste, c'est dommage, mais la suite au prochain épisode, comme d'habitude. Pense à liker la vidéo, à vous abonner. C'était un super Lemon, Pablo Escobar et 4X. Prochain épisode, on va donc aller traiter la coca. Et surtout, on va essayer d'éviter les contrôles de flics parce qu'avec ce camion, bon, je suis calibré, mais disons qu'avec le camion, ça va être chaud, quoi. Ça ferait chier de perdre autant de bazar. Pour le moment, il n'y a pas de fusil d'assaut sur le serveur, il n'y a pas de pistolet mitrailleur, il n'y a pas de vendeur d'armes illégal, il n'y a encore pas les caisses, etc. Enfin, vous avez l'habitude, hein. Comme je vous l'ai expliqué, on repart vraiment de zéro, de chez zéro. D'ailleurs, on est sur Altis, c'est aussi pour pouvoir jouer directement sans avoir à tout refaire de zéro. Hein. C'est pour ça qu'on est sur Altis, ça permet d'avoir 50% du travail à faire maintenant. Et on fera les 50 autres pourcents, la nouvelle carte, plus tard. Comme ça, on peut jouer, tout le monde peut jouer. Et puis au final, bon, Altis, ça mange pas de pain. Bref, on s'est là-dessus, c'était super. À liker, on s'abonne. Pour nous rejoindre, arma4life, monsieurasper.com, heroeslive, last sub. C'est beau. Et ça fait plaisir. Et merci également à Viper, Loïc, Alexis, Artagox, Widow, Didi et Descro. Bref, fin d'épisode, prochain épisode. On continue le cartel si tout se passe bien et si on arrive à ne pas faire d'accident. A tout de suite.